Salut YouTube, on est toujours sur le Bonaparte Challenge, version conversion à l'islam. En espérant que ça nous serve, alors on est en train toujours de perdre la croisade. Si toi aussi tu as déjà perdu une croisade, dis-le-moi dans les commentaires. Mais on fera une guerre sainte après, Schnabi. Ben, c'est compliqué de la lancer, on n'est pas chef de la foi. Hein. Il n'y a pas de chef de la foi? Ah mais c'est pour ça! Que les Abbassides y viennent pas. Parce que c'est le califat. Et oui, nous on est une. Mais oui, d'accord. On est une espèce de d'hérésie. Ouais. Je vois le genre. Attends. La guerre se poursuit? What? Mais. Oh, c'est trop bien! Ah non, c'est. Ah non, c'est invalidé, ben oui. Parce qu'on peut pas arrêter la guerre, c'est pas nous qui l'avons déclaré. Je me disais aussi. Le Moulin Wadis, on dirait une religion Kamoulax. Ah, il y a eu tellement de. Enfin, il y a toujours tellement de courants dans l'islam. Enfin, mais dans toutes les religions en général d'ailleurs. Est-ce que inviter les gens à parler de croisade dans les commentaires YouTube est vraiment une bonne idée? Non, mais y a pas de raison. Les gens sur Internet, ils sont toujours bienveillants. Hein? Pourquoi ça ne se passerait pas bien? J'ai tenté une croisade contre la calvitie, j'ai perdu. Moi, j'ai même pas essayé de la tenter, j'ai laissé gagner la calvitie. La luxure sans entrave. Oui. Ah non, attends. On va faire ça plutôt. Ah non, c'est ça qu'on a perdu. Mais oui. On aura toujours l'uni en tout cas. Ça, c'est cool. Donc, je rappelle hein, qu'on appartient au royaume de Suède. La Suède qui possède donc à la fois une partie de la Suède ici, une grosse partie de l'Angleterre, la côte de la Manche en France et une grosse partie en Italie du coup. Quoi? Ah, ça devient un peu indépendant là. J'ai toujours une revendication sur lui, mais oui. Attends. Pourquoi je devrais déclarer une guerre à lui? Pourquoi ce serait à lui? Moi, je veux juste prendre le comté d'Orbetello. Ah, c'est dommage. Ça sent la loose quand même, hein. Il s'est converti comme d'habitude aussi, ça. Exactement, oui. Je suis en train de réfléchir à qui je vais essayer de trahir après, en fait, mais. Je ne sais pas. Ah mais en fait toute l'Angleterre est musulmane? Pas toute. Mais pas loin. Bon allez, on la perd cette croisade là. Moins 39. Ah oui, parce qu'il y a un truc aussi, on essaie d'assassiner la duchesse de Bar, qui possède également une partie de la Savoie. Ah non, plus maintenant. Parce qu'on va hériter peut-être d'elle bientôt. En fait, si on tue elle et son fils, bah derrière on est bien. On hérite, donc c'est cool. C'est sale, mais c'est cool. Oui, non, je sais pas où je vais ça. Ce petit ira loin comme l'avait dit Racine. Et RIP in peace. C'est un somptueux tapis exotique, en effet. Donc eux, ils sont indépendants, on a dit. Hein. Ils sont pas musulmans, donc on peut leur déclarer la guerre. Problème, ils sont costauds. Mais si j'appelle à l'aide mon roi,
Il devrait me suivre. Bon, là, il est nul pour l'instant, mais... Attends, qui hérite, là? Oh, on sera plus musulmans après. Faudra se convertir à Asatru. Ah ouais, mais non, ça non, ça non. Ah non, 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 mais attendez, je vais pas me convertir tous les 3 jours non plus. Au bout d'un moment, ça va commencer à se voir. Ah, ils sont nuls en maître espion. Quel bordel. Voilà. La game commence. Bon, c'est parti en what the fuck. Il y a peu de chances que ça redevienne normal, hein, je vous le dis. Girouette. J'aurais pas dit girouette. Oui. J'aurais pas dit girouette, j'aurais dit. Il faut que je sais suivre le cours du vent. Selon le sens dans lequel il souffle. C'est. Non? C'est crédible ou pas? Opportuniste, ouais. Ouais. Ok. Ah, dans le jeu! Ah non, je sais pas. Oh, peut-être pas, non. Et F Galpin ou FG Alpin, je ne sais pas. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Asatru nous demande s'il vénère. Ok. Comment on appelle une personne qui pratique toutes les religions? Bah, toutes les religions, c'est l'œcuménisme. Après, du coup, une personne qui pratique toutes les religions, un œcuméniste, du coup, c'est moche, je sais pas si ça existe, mais... Bonaparte Challenge, je ne pouvais que follow, yes. Donc voilà, on part de... à la base, on était contre de Porto Vecchio. L'objectif est de faire qu'il y ait quelqu'un de notre dynastie, donc les Bonaparte, on a renommé la dynastie, devienne empereur de France. Sauf que... Donc on démarrait sous souveraineté du duché de Toscane, on a réussi à devenir duc de Toscane. Sauf que derrière, on s'est fait trahir, enfin troller, on va dire plutôt, par le roi d'Italie, qui a tout perdu. Donc il a fallu se convertir à l'islam en urgence, pour espérer survivre. Et là, problème, c'est qu'il faudra se reconvertir, mais la religion a sa trou. Hein? Nordique, donc. Et ça, ça va être compliqué, d'autant plus que là, on se prend une croisade par le pape, qui a pas trop kiffé, quoi. Un œcubéni, oui, c'est ça. C'est rare les games comme ça sur le tournoi? Ah non. C'est pas rare. Mais c'est quand même rarement autant nawak aussi vite en tout cas. Il reste 450 ans pour y parvenir, les religions c'est le bordel. Ouais ouais, mais en fait le problème c'est que là, après la croisade, il va me rester juste ça. Avec à peu près 0 soldats là-bas. Donc voilà. Et attends, t'es indépendante toi? Pas du tout. Ah oui, non, t'appartiens au roi de France, d'accord. J'entends bien. Il est chaud le comte de Vecchio là. Ah mais ils sont indépendants en plus. Aïe 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 aïe. Je sais pas quoi faire en fait. Ah si, bah il faut toujours réussir à assassiner au pire elle. Si on réussit et qu'on assassine son fils, on devient duc de Bar. Donc là, ça nous remet un peu dedans. Ça peut être pas mal. Ouais, c'est compliqué. Je vous cache pas que je suis un petit peu quand même... voilà. Là, ça va être vraiment dur, quoi. On repart de zéro. Sachant que les autres sont déjà bien, bien, bien installés. Bon, allez. Moins 53 seulement, la guerre sainte. Bon, allez. Dépêchez-vous. C'est tellement complexe, les relations politiques et jeux de pouvoir. On dirait 25 saisons des Feux de l'Amour, yes. Les autres jeux avec lesquels je stream. Football Manager. GeoGuessr, principalement c'est les trois là, parce qu'en fait c'est toujours un très bon alibi, soit pour parler de foot pour ceux qui aiment le foot, soit pour parler de géographie et pour parler histoire sur ce jeu là. J'ai fait pas mal de squeeze aussi fut un temps, pourquoi pas reprendre s'il y a encore des gens qui sont chauds dessus.
Et puis, de temps en temps, je m'autorise des sorties un peu sur d'autres jeux, mais principalement, c'est les trois là. Tu fais un petit cheat code, argent à gogo, et tu viens que tout ça. Bah non, on va pas cheater. Non, mais au pire, hey, si on perd là-dessus, je recommence un autre challenge, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Un petit Valolo, par exemple, Shinobi, voilà, d'autres jeux, exactement. Fall Guys, mais j'avais streamé du Fall Guys pendant le live 12h. C'était marrant. Ça faisait troller, mais c'était marrant. Après, quand je réfléchis au prochain challenge potentiel, du coup. Il est actif, notre Dark Bichon. Bah écoute, j'essaye, hein. J'essaie de varier les contenus, mais tout en gardant quand même une trame. Ma petite patte, on va dire. On essaie toujours d'avoir du second degré tout le temps, ça c'est la base. Mais aussi d'apprendre des choses, ensemble. Vous m'apprenez des choses et j'essaie de partager un peu les quelques connaissances que je peux avoir. La patte de l'expert, exactement. Feu vert. On a quoi comme revendication maintenant? Toujours le royaume d'Italie. Ouais, ça va être complexe quand même. Parce que le titre n'existe plus. Par contre, la Lombardie, on peut les envahir potentiellement. Et 12%, c'est risqué. Hein. Allez, je vous écoute. T'as pas répondu, t'as lâché les Corses? Bah en fait ils se sont lâchés tout seuls quand on... Attends. Ils se sont lâchés tout seuls quand le royaume d'Italie a éclaté. En gros, quand les Lapons sont arrivés. Par contre, quelqu'un peut me dire pourquoi Gênes? Ah non, il n'existe pas le duché de Gênes, ok. Mais attends, quoi? Elle est restée, elle? Ouais, c'est pas la même, ok. Vaut mieux commencer par assassiner le fils de la duchesse de Bar, sinon je dois être posé. Ouais, mais en fait, à la base, elle l'était pas, et ça prend 8 ans pour l'assassiner. Donc là, on a raccourci. Ah bah non, elle a 30 ans en plus. Ça va encore. Par contre, son mari est en tôle. Ah. Non, il y a le temps. On en est où dans l'intrigue, là? On va être qu'à 5%. Au secours. Ouais, je crois que c'est full lose. I guess it's lose, on verra bien. Au pire, de toute façon. Ah non, j'ai pas les revendications sur elle. Oh. Alors par contre, elle peut devenir musulmane. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ça veut dire qu'il y a peut-être certains de ses vassaux qui ne vont pas se convertir, qui vont donc la détester, donc ils voudront peut-être l'assassiner. On va faire ça. Quitte à être dans le what the fuck, hein. Autant continuer. Prendre le risque, ouais, clairement. Ah, Salem, bienvenue. Alors, niveau assassinat, on en est où? Il s'est pas converti, lui. Bon, lui, apparemment, forcément, elle n'est pas convertie. Ça refuse beaucoup trop, par contre, hein. Pour être convaincu, faut payer, c'est ça? C'est mort, ça va être trop tard. Coup de bière à 3 bandes, ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est cool.
Ça marche, Max. Bonne nuit. À bientôt. Bon, la paire. Guerre sainte pour le comté de Saint-Gall. Ah, oui. C'est vrai, on est allié avec des catholiques pour une guerre sainte catholique. Pourquoi pas, hein. Puisque lui, il est vaudois. Mais oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Duchesse de Majorque, ok. Elle devient mon mentor. Elle a 16 en intrigue, ok. Elle est pas de ma religion, mais elle a 16 en intrigue, admettons. Ça marche la bec, bonne nuit. Quand tu déclares une guerre, tu vas prendre manuellement tes troupes pour attaquer ou c'est auto. Tu dois aller. C'est toi qui dois les diriger. Tu dois les envoyer assiéger, tu dois les envoyer peut-être aller à la rencontre des autres armées, fuir les autres armées aussi, ça peut être pas mal. Ah, ils vont venir sur l'Uni, je crois. Adieu. Enfin, adieu, non, mais... Ah, faut que je fuis. Trop tard. Trop tard, on se fait intercepter. Peut-être pas. Mais fuis-toi. Barre-toi. Ok, elle est morte. Avec moi à la tête, ça pourrait être pas mal. J'ai pas envie de me faire emprisonner. Ok. Un réconfort. Très bien. Merci madame. Ah, c'est ma femme. Je l'avais pas reconnue. Ah mais oui, je peux avoir des époux secondaires. On peut avoir plein de gosses en fait. J'avais zappé. J'avais zappé ça. Oh oui. Oh que oui. On va avoir le sultanat Omeyyade avec nous. Ça va être bien. Grande chefferie de Neustrie. Yes. J'adore le jeu, mais je manque cruellement de savoir pour construire un plan de jeu viable. Ah mais... Alors si ça peut te rassurer, il n'y a aucun plan de jeu qui est viable. En tout cas qui est prévisible en avance. La preuve. Parce que moi, mon plan, il était tout fait, hein. Je deviens duc de Toscane. Je grappille des comtés au sein du royaume d'Italie. Au bout d'un moment, j'usurpe le titre de roi d'Italie. Je deviens roi d'Italie. Je termine de prendre tout ce qui reste de l'Italie. Ensuite, par un prompt renfort, j'essaie de choper par mariage la France. Ou en tout cas, un royaume quelconque de l'ancien empire carolingien. Au pire, je me convertis à une religion et je lance des guerres saintes de tous les côtés. L'islam d'ailleurs, pourquoi pas. Ça aurait été pratique, on aurait pu faire la tenaille. Et voilà. Mais du coup, rien ne se passe comme ça. Ça, c'est la base de Crusader Kings. Rien ne se passe comme vous le voulez. En fait, si ça se passe comme vous le voulez, bah déjà, bravo. Mais tu t'amuses... Enfin, c'est pas que tu t'amuses moins, mais... Le risque... Ouais, si, le risque est de moins s'amuser. Le jeu, il vient la mettre en vert. Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est ça qui est cool. Par contre... Ah, il n'y en a qu'une qui a accepté au final? Ah bon? Oh bah, quelle vie! Donc là, ça voulait pas... Oh, lui... Accepte! Amira Hautman? Ah oui. Elle est délicate. Bon.
Ça ne veut pas. Très bien. Attendez, j'arrive, j'arrive. Mésopotamie, elle a 44 ans. Oh, oui, ça fait une alliance. Ok, elle a donc une deuxième épouse, c'est bon. Une troisième, pardon. Et une quatrième. Y'a la bienvenue. Ah non? Mais enfin. Ah, je peux pas me marier avec une mineure? Depuis quand, dans Crusader Kings? Ça m'arrange pas, du coup, attends. Pourquoi? Alors, pourquoi ça le fait? Vous serez fiancé, d'accord. Et pourquoi ça annule au bout d'un moment? J'ai pas la logique du truc. Oh, mais attends. On peut peut-être la regagner, cette guerre, en fait. Maintenant que les Égyptiens sont là. On peut peut-être la gagner, cette guerre sainte. Faut aller vite, par contre. Du coup, harem. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est bon. Là, elle est toujours... Voilà, elle est toujours là. Ok. Ah, parce qu'elle est arrivée en dernier. Il n'y a pas eu les trucs qui ont annulé avant. D'accord, ok. Je pense qu'en fait, quand c'est une mineure, il faut la mettre en dernier. S'il y a des majeurs qui rentrent en scène, ça fait sauter la fiançaille avec elle. Ok. Bon à savoir. Maréchal. Pff, ils sont nuls. Oh, au secours. Alors, on va réaffecter. Et là, du coup, on affecte ici. Ok. ...5% seulement de chance. Allez. Fais confiance à la mycose. Merde. Oh, je suis deg. La chatte qu'il a, la chatte. Alors, nouveau truc en intrigue. Ça, ça a peut-être été pas mal, il y a 3 jours, genre. Allez, on va tenter de l'enlever. Si on n'arrive pas à l'assassiner, on va essayer de l'enlever. Ah non, le gamin, plutôt. On peut peut-être pas, si on peut. 5%. Ça prend encore 8 ans. Au pire, on essaiera d'enlever le pape. Ça peut être marrant, ça. Ah, on a perdu. Aïe, 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 coup dur. Coup dur, on a donc... C'est officiel. Nous n'avons plus que le comté de Louny. Si on le perd, on a perdu la game. Alors, petit point... Hein? Oh oui! Oh merci! On va redevenir catholique. C'est bon! Attendez, faut que je me convertisse vite, sinon il va me. Oh, on est sous suzeraineté du pape. Parfait. Attends, t'es où le pape? T'es là. Catholique, tu es croate, c'est pas grave, personne n'est parfait, je peux pas. Adopter la foi. Je peux pas. Au secours. Ah, il faut qu'il me demande. Y a pas un truc où... Ah non, ça par contre, c'est pas cool. Y a pas un monde dans lequel je peux faire éduquer mes enfants dans la foi catholique. Ah, c'est pas ouf ça. Bon, au moins, l'avantage, c'est qu'on est protégé, logiquement.
on est tranquille avec le pape là. Par contre, il faut vite accumuler de la piété. Qu'est-ce que je peux... Hein ? Et ça, ça appartient toujours à la Suède, par contre. D'accord. Je comprends pas ce qui se passe. Et bonne nuit, Oslo. À bientôt. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est indépendant, ça ? Et oui, c'est indépendant. Enfin, c'est indépendant, vite fait. Voilà, papauté, moi j'ai toujours dit, vive le pape. Hein. Et attends. J'ai des revendications, moi, ici. Salut Paolo, comment tu vas ? Leur puissance est très inférieure à la nôtre. Ah oui, grâce à mes alliés. On tente, hein. On tente un truc. Mésopotamie, c'est bon. Augsbourg, surtout, ça c'est bon. Il y a 5000 soldats, parfait. Ça va le faire. Allez-y, les gars. Ouais, moi je. Vous inquiétez pas. Ma fille est adulte. Non, mais je voudrais bien la racheter par contre. Pourquoi il veut pas ? Il n'a pas besoin d'un hameçon. Non mais je suis d'accord, mais... Tout ça parce que j'ai pas d'argent, parce que je suis pauvre, c'est ça ? Eh bien bravo, je ne te félicite pas. On n'a plus personne à la cour, c'est terrible. Ah, ça s'est converti super vite ici. Hein. Allez, on est à plus 30. C'est les alliés qui font le boulot. Hein. Clairement. On est bien. Oh putain. C'est terminé. C'est terminé. On n'a plus rien. Le pape a révoqué le titre. Mais je voulais me convertir au catholicisme, enfin. Vous voyez ça? Ça, c'est l'écran qui te dit adieu. Tu auras tout tenté. Tu auras trahi ta religion. Tu auras trahi tout. Tu étais prêt à retrahir ta nouvelle religion. Dans le fion. Terrible. Terrible. Aïe, aïe, aïe. La maison Bonaparte n'aura pas marqué l'histoire, une note de bas de page. C'est ça. Dans un obscur bouquin, oui, publié par un érudit local hein, de Porto Vecchio. Ah putain, je suis dégoûté. Au secours. Bon bah YouTube, je vais couper la VOD ici. Le premier essai, retiens bien cette phrase, le premier essai sur le Bonaparte Challenge n'aura malheureusement pas été concluant. En tout cas, il y aura d'autres challenges sur cette chaîne. Abonne-toi, mets la cloche. Si toi aussi t'as kiffé, surtout la fin, c'était vraiment cool. Mets un pouce bleu, bisous.